questionner. Merci banamboka boye malamu mbote mbote na bino nyonso diaspora bisika boza branché connecté na www.congodialogue. Awa toza na Afrique du Sud na pays de Mandela. Climat mora bien, ce que l'on a visité biso to rappelé que toko déjà na hiver malili pena au sakanate. Pendant juin awati on a presque 3 mois ya malili. Alors to sepeli toujours akoye ba ete boza e belé belé akoyamba biso pe ya kolanda biso. Merci na ba message na ba SMS bozali ko continuer ko pesa biso. Espace dialogue là où la réflexion et la connaissance rencontrent. Moi c'est Josse Bolois. Nazo yamba lisu sous lelo Mazamantia, le président national congolais son excellence monsieur Kilele Djemadari. Lelo to solanaye sur l'actualité. Il était acquitté, maintenant il est libéré d'une manière provisoire. Jean-Pierre Bemba, président à MLC. Est-ce que ça va venir en Mboka na biso Congo? Est-ce que ça espoir? Est-ce que ça? Ensemble, na président qui est réfléchir ensemble. Après ça, biso pe makani sinaye. Kombo ebi toujours boza toujours na posa ya koyeba. Merci. Boye malam président qui est. Merci beaucoup. Merci pour l'accueil. Mbote na yo, mbote na bana Mboka nyoso. Bisika bozali na kati ya Mboka. Président Kilele, merci toujours pour notre temps malgré l'occupation de la Kanayango. L'émission est toujours là. Je vous remercie à nos téléspectateurs. Je crois que même auditeur et téléspectateur, moi, je suis là. L'émission est là sur commentaire sur l'Iwaya Mamo Langi. Je suis parti à Canada, je suis au niveau des États-Unis. Sauf que je suis là pour être dommage, je suis là pour une interview. À ce plat qui m'a cassé pas bête au coup de chapeau, la réflexion, il y a le président qui est réaction par rapport à l'appel. Merci, je suis un peu de temps, je remercie. Je suis là toujours, c'est pour continuer à dire la vérité parce que c'est l'unique arme. Être aimé à Zrakanango, d'abord avant que ça na bibondili oyo automatique au Mindele à Sala. C'est la vérité d'abord, et surtout dans la période d'occupation, la colonisation, la humiliation, l'unique arme de dissuasion contre l'humiliation, contre l'occupation, et la manipulation, et le mensonge surtout, c'est la vérité. Et alors, dans la chaîne, il y a des gens qui ont la vérité, et ça va nous aider, et beaucoup de confrères, de compatriotes à travers le monde. Donc ce n'est pas une exclusive ya chaîne nayo, mais c'est un effort collectif. Donc moi na mboka siko za na Canada, nous vous promettons toujours que nous continuerons à utiliser la vérité comme arme, à dénoncer ce qui est mal, et nous pensons que leur humiliation est aussi là, il faut continuer toujours koloba
bosolo pour que to démasquer ceux qui se croient intouchables, qui se croient incarnés avec le pouvoir divin. Donc nous devons démasquer tous les arrogants. Il faut tout rendre bango une expression simple que bazaka batune tibiso. Moto azana ebonga kazali ministre, azali président. Biso nyoso toza batuka ka toza na valeur moko. Alors la vérité doit nous ramener au même diapason. Parce que nous naissons de la même façon, nous mourons aussi de la même façon. Donc moto moko ki kozala likolo ya batumusu c'était parce qu'azali président, azali ministre. Nous devons les débister partout où ils sont avec la vérité comme première arme. Voilà, merci parce beaucoup. Parce que les républiques africaines sont bébées à cause d'un mensonge. Et nos régnants, nos dirigeants utilisent le mensonge comme l'arme ou la méthode de gestion pour intimider, tuer, humilier et museler Minokonomatoba Lubate. Donc nous devons mettre fin à ça. Et système bouddhiste, système ngueso, les gens doivent réellement s'exprimer. Parce que ceux qui. Leur tobotamaka, et l'autre moko, et alibosu, et bimakanabis, ça kane mungongo. Oui. Ba maman, toba sage femme, bakoubeta yo, pan. Ah! C'est ça la libre expression avant même que nos constitutions du pays nous donnent le droit à l'expression libre. Donc nous devons parler. Nous devons parler, chers amis téléspectateurs, fidèles internautes, c'est à congodialogue.com, amis à émission Espace Dialogue. Nous devons parler. Ça, c'était la réaction de M. Kilel par rapport à un de nos téléspectateurs. Yo, Polingoza, n'a pas comme la biso, comme la biso, ma numéro, n'a pas petit écran, qu'on hésitait. Vous avez une question, une suggestion, un sujet, Moussousolingi, président Kilel, un plateau, Tolo Belango, vous êtes la bienvenue. Président Kilel, Jean-Pierre Bemba, il est acquitté. Il a reçu une liberté provisoire. Votre réaction en tant que président du parti aussi, 10 ans après son emprisonnement, aujourd'hui, Aza est un peu libre. D'abord, Sengo, Ponaye, parce qu'il est en droit de retrouver la liberté. 10 ans en geôle, ce n'est pas peu. Hein? On te prive de la liberté, des mouvements. Peut-être, je ne sais pas ce qu'il y a autant dans les journaux, comme les prisons européennes sont un peu plus avancées que les prisons à torture à vie en Afrique. Je pense qu'il lisait des livres, alors ça l'amusait, ça l'occupait. Donc il doit être content. Azali, papa Yabana, c'est un mari dont la femme a besoin de lui, les enfants ont besoin de lui, et toute la famille, dans sa plus grande étendue, Bazan a besoin d'un baminaye et peut-être qu'on retrouve pe ba camarade naye a parti. Nous devons savoir donc Singapour naye. Nous devons savoir d'abord que Bemba a été arrêté politiquement sous des motifs politiques, faussement d'ailleurs parce que c'était injuste. Il a été arrêté politiquement. Toyebi. Que la logique des choses est là. Lui était le chef des troupes, bien qu'il n'était pas sur le terrain, mais parce que ma troupe naïe et salaka ba exaction toyokaki ba bomaki ce qu'on ne devait pas tuer, ba violaki ba yibaki ba tumbaki, je ne sais pas, banda qu'on a ba école na ba hôpitaux, tout ça. Alors lui en tant que chef des troupes, si on ne peut pas arrêter toute l'armée, on doit arrêter responsabilité incombe sur le chef de l'armée. Ainsi, on l'a arrêté. Sauf qu'on n'a pas suivi la grande logique. Il y a justice avant d'imposer sanctions à Kukangaye et qu'on lui fasse perdre du temps en prison pendant des années et des années. C'est quelqu'un qui était invité par Ange Félix Patassé. Je pense qu'il est déjà mort. Il a été invité pour aller à la rescousse du pouvoir en déliquescence. Il y a M. Ange Félix Patassé. Je pense au Lieba Bengaye Moko. Il a fallu aussi contraindre Nakuruana, M. Ange Félix Patassé, parce que c'est lui qui l'avait invité.
Hein, il faisait face, Ange Félix Patassé faisait face à une rébellion financée et soutenue par la France. Alors il a fallu qu'il y ait d'abord qu'il réponde au premier chef. Il y a une interrogation, une cour reliée que M. Bemba a répondre et puis Azala le seul à être drainé en prison. Bon, je disais donc, il a été arrêté politiquement. Et je ne pense pas qu'on l'a relâché pour rien. On l'a relâché pour jouer un rôle politique aussi au pays. Je pense que ça ne s'arrête pas là. Et ça peut pousser tout analyste à des présomptions que, bon, il va quitter de la prison la présidence, comme c'était le cas de Mandela ici en Afrique du Sud. Je ne pense pas totalement que son relâchement présage d'un bon avenir au Congo, à moins qu'il ait changé quoi. Mais s'il a passé tout ce temps-là de 10 ans en train d'être, je dirais, manipulé, en train dans une école de manipulation, le préparant à pouvoir venir gérer le pays au bénéfice des impérialistes, je pense qu'il n'y a que cela qui viendra faire. Alors, s'il amène la même méthode que Mandela a amenée en Afrique du Sud, eh bien, il n'y a pas un avenir radié au Congo. Je sais que Mandela est toujours une grande puissance. Nous sommes très loin à Bango en ce qui concerne la gestion du pays Nabiso, parce qu'il détient la technologie et la plupart de nos dirigeants se plient toujours aux commandes, aux ordres et aux instructions reçues par l'Occident. Donc, je ne pense pas tellement, mais si on doit croire à un avenir radié, il faudrait que M. Bemba s'entoure Nabato Oyo Gérard Mbokate, les gens qui n'étaient pas par exemple dans le Parlement, Bato Bazala qui n'a soi-disant Sénat, Bato Bazala qui n'a armé, mais Yassika, ou ils allaient armer, il doit faire en tout cas une table rase, que Ati Anakati équipe naïe, un sang nouveau de gestionnaires, des gens qui n'ont pas touché à l'humiliation et à la mégestion du pays. Sinon, ça sera un fiasco. Et nous allons nous replonger dans la même mégestion et la même médiocrité tant décriée par tout le monde. Président, Nakolinga o Sungabiso na ba téléspectateurs, ils ont la phrase moko ye moko bemba lo bakango. Je crois que l'histoire que l'histoire se répète encore. Tu vois, je crois qu'au PC déjà moi quelques pistes moi conseiller Moussousou en tant que un penseur et peut-être en tant que un président parti politique donc au monde de la politique en boka na biso kendele ils ont affrontement le bas qui j'ai accepté l'inacceptable na habité to ko bossa na peka ningwana te les lois lobby est-ce que abimi les lois est-ce que il ne va pas accepter encore l'inacceptable les lois parce que la RDC est en crise est-ce qu'au moment où peut-être on a we feel ourselves vulnerable to se sentir un peu hopeless. Bon, on pense que wana message ko na sima est-ce que j'ai espoir pour na ba congolais est-ce que c'est tout s'emporter kana sentiment wana mais na une ou rappeler biso un peu phrase wana to rappeler pena ba téléspectateur même soit robot sanango à côté qui prison j'ai accepté l'inacceptable. C'est une phrase inoubliable pour tout observateur, pour tout téléspectateur, pour moi na nyoso ya Congo quand Bemba Lobaka que j'ai accepté l'inacceptable. Ça ne demande pas d'interprétation parce que comment maki na ba journaux pe lobama ka n'habitant de l'union so que phrase wana elingi kolobake ye moto a gagnaka ba élection, ça c'est indiscutable. Après ba yebse ke no toke ko tio na garage en attendant tikla biso no tant tolia mpo choix na biso ezalaki yote. Choix na biso ezalaki mwana ndeke wana yende akuzala president simanene nga za zo baza mwana mboka te mwana ndeke za mwana ndeke ko apumbwa ka partout quoi. Alors
mwana ndeke wana aza zoba tokoli ya sima na ye ya yebi Kongo te pe yebi bakongolete yo botama wa ba yebi yo awa alors oza neti mwa danger muke boye alors on attenda zwa mwa liboke ya mbongo topesi yo olinga kyo za la president po ozwa pe mbongo tena lokumu alors mbongo yo pe yango yo okoli yango na prison tokoti yango na banko okufa te lero kobima okosa elango famille na yo kozala bien alors c'est déjà je ne pense pas que mbongo ango batiaka ango na munoko na ye. Il a accepté pour Amona Kimbongo Mingi. Et en acceptant ça, c'est déjà un signe, une preuve tangible de la corruption. Alors c'est un danger de mettre à la tête du pays une personne corrompue. Parce qu'il va entretenir aussi la corruption. Et c'est vraiment un danger. Et je suis dubitatif quant à sa bonne gestion dans l'avenir. Que Akogere Mboka très très bien. Je ne pense pas que Akogere Mboka très bien. Mais n'est-ce qu'on a pensé piste y a sorti yo. Il faut s'entourer na ba bon gestionnaire. Il faut s'entourer na bato oyo ba guta na mbongo na corruption. Il y en a ni à régime d'occupation oyoté. Donc azala prudent de ne pas recruter dans son équipe quelqu'un qui a travaillé dans le gouvernement, même quelqu'un qui a été PDG étatique de sociétés étatiques ou non étatiques, quelqu'un qui a été journaliste a travaillé dans Bangote. S'il fait ça, oui, on peut présager d'un bon avenir du pays. Mais ce qui est cause de nos camarades naïe, bateau yozara kana Bangoka là, François Mwamba oba ba abandonner ba traizaye ba kiki ki ba kiki ki sombe tous ces gens là ça sera la même chose. Il va nous ramener le régime de Mandela parce que Mandela en Afrique du Sud l'ère Abibaka les gens ont applaudi, c'était l'euphorie, c'était le sentimentalisme, il est là l'ère Mandela bimi nga nazala kiawa alobaka liberté pour tout le monde, accommodation, donc logement gratuit pour tout le monde, éducation gratuite pour tout le monde, 3 repas par jour pour tout le monde. C'était des phrases qu'il lâchait pendant la campagne de 1994. Mais à la fin, Lingomba Naye ANC avait signé un contrat avec les impérialistes et les grandes corporations sud-africaines et Ibsaka Banoir Keno, Bolingi pouvoir trop, Tokope Sabino pouvoir. Mais économie, finance, Ekotika Namaboko Nabiso. Bon, ce qui n'est pas mal parce qu'ils ont peur de la gestion de l'homme noir. Mais les lots, on voit que les gens commencent à déchanter, comme vous découvrez petit à petit que. Mokonzi Mboka oyo akufa Mandela azalaka traître et ce n'est pas seulement qu'il est le qui le dit moi na muke leader muke oyo sud-africain qui s'appelle Julius Malema au cours d'une interview dans une université à Londres ye moko alobaki yango ke Mandela a dévié la révolution, c'est un traître qui a vendu le pays aux impérialistes à part ye moi sina ye oyo ti kufa mama Winnie Mandela Bokaboni na bango, à part être accusé de Kindumba, de ceci et cela, à l'obara que, ah, Mubai Nangai, Zali Lissousou, Mandela ona ebakate, tango to zalaki, Zali avant prison, Zali Motomoussous, Zali yete. Parce que Mandela ona zalaki pesant, très percutant à l'époque, pas comme Kumona ke, Maloba Naye, et comme Maloba Moko Yakopola, Akumi Kaka, Koloba, Maloba, oyo zali ko défendre ba intérêt ba mindele contre biso ba noir alors to bunda pourquoi donc aujourd'hui ba ndeko na biso Afrique du Sud déchante parce que pauvreté zali ba noir oyo bazana moi richesse bazali bato o bazali ko jouer kaka role ya front mais bakolombongo nde ba mindele bazasima. Et puis on n'a pas su créer totalement la richesse de tout le monde. Je ne pense pas que, je ne dis pas que ça devait être créé en peu de 20 ans.
mais quand même il fallait pas relever niveau ya nani ya ya vie ya bateau donc quelque part tous là na euphorité tous là na essengo baka c'était nous devons toi fan de sa bemba si c'est lui qui voudrait être président mais je pense que moi je peux faire meilleur président que lui. Je n'ai jamais géré la chose publique et je peux très bien gérer le Congo sans parti pris parce que Nazam moi n'amboka. Je ne lui fais pas un procès d'intention, sauf que les 10 ans qu'il a passé à être rééduqué pousse un peu quelqu'un à douter. Mais Azali Moto, ce qui a changé, que Azali n'a ligne de conduite, Azali n'a liboso. Il est le bienvenu et que nous sommes prêts à travailler avec lui. Mais moi aussi, je suis candidat. Si j'ai l'argent et si j'ai des soutiens, je voudrais diriger le Congo. Mais pas sous un régime d'occupation. Toi, on a besoin d'une élection pour le moment. Présent, c'est l'une des raisons que le parti n'a pas enregistré. On a un niveau à RDC. Parce que vous avez un esprit nationaliste, n'est-ce pas? Cela est vrai. Il n'y a pas enregistré. Pour atteindre le papier, ça fait longtemps. Aussi peu. Je ne suis pas déçu parce que qui va agréer mon parti? Un occupant peut agréer mon parti? La plupart des partis qui sont là, qui sont agréés et qu'on dise qu'ils sont de la majorité, soit dite présidentielle, ce sont des partis corrompus. La majorité présidentielle, ça signifie que le parti est mongo pour soutenir la candidature à mon endeke. Alors, on a un peu soutenir la candidature à mon endeke parce que Naïbi Kazali Mopaya peut. Parmi eux, ils ont un peu de temps pour les abissoter. Alors, il n'y a qu'à soutenir mon toit, pour faire souffrir l'abisso. Pour quelle raison? Donc, je suis content, quand bien même que mon parti ne soit pas agréé par eux. Encore faudra-t-il dire que ceux qui agréent ce parti, ce sont d'autres traîtres qui font les enfants de cœur des occupants. En disant ça, je veux dire que dans un avenir proche, Togo Tiré intervient Moussoussou, que nous allons intituler le règlement des comptes. Parce que nous devons régler les comptes à tous ceux-là qui ont humilié les Congolais et qui ont été corrompus et qui ont exploité le Congo. Nous en parlerons. Nos numéros sont à vos petits écrans. Numéro PA, professeur, président, qui est les uns à vos petits écrans. Nabino, téléspectateurs, aux espèces dialogues avec moi, je suis Bola l'international. Merci Nabino, Nathan Bozo Pesabiso. Yamboto le dossier à Jean-Pierre Bemba. Moutoune Rogo Zalamoukena Minitoyo. Parce que d'ici le 30 juin, Tolobelon Kamamouke et Sengi le président, monsieur Joseph Kabila, a confirmé candidature n'est ou pas. Soka Kotika ou pas, parce que Congrès Mouzo Salamana, niveau Angola. Na semaine prochaine. Mais avant tous les canards, dossier à Jean-Pierre Bemba. Est-ce que Jean-Pierre Bemba, qui cause là, danger pour na M. Joseph Kabila, tu peux perdre la minute oy? Oui, d'un côté, oui. Et puis, yo d'abord, ça a déjà danger pour na pouvoir remplacer. Oui, d'un côté, il représente un danger si il applique. Phrase yonga na lobi, mot na lobi, règlement des comptes. Ça signifie que, quelque part, il faut à ça là, une petite politique de vengeance. Pas contre bateau, ba traïsaye, mais contre bateau, ba yaka ko, ba yaka ko, kipe mboka na biso, ba bomi bateau, ba bomi économie. Il faut une politique de vengeance. Il faut une politique de punition. Hein? Rien ne marche au Congo, parce que l'impunité s'y est installée. Les gens font ce qu'ils veulent depuis l'époque de Mobutu, Ti, Namo Alelo. Les gens ne sont pas punis, les gens font ce qu'ils veulent. Alors, ce qui est à Zongi, nous devons continuer avec la devise d'Imper, justice, paix, travail. Pour Moussalo, qui au Salamate, ce qui justice est alité. Kimi, au Kyozanambokate, ce qui justice est alité. La justice n'est pas là seulement pour plaire à certains. La justice doit être punitive, donc avoir un côté éducatif. Il faut que la peine de mort est là. Hein? L'Amérique qui se dise
les grands pays civilisés, les grands pays démocrates. Mais il y a des dissensions en Amérique où plusieurs États, une trentaine, maintiennent jusqu'à aujourd'hui la peine de mort, malgré la démocratie. Ils maintiennent la peine de mort. Alors, ce que Moutoua Salim a dit, nous devons tuer ces gens. Hein, pour pas ça, cannabis sauter. Parce que sinon, ce qui s'est passé, et que Zunga Kaka, Motonet Imende, c'est quelqu'un qui doit être pendu en place publique. Batonet ma ministre Nyosu Yakanambe. Ce sont des gens que nous devons pendre, nous devons les tuer pour donner une leçon aux générations à venir. Ça ne doit pas rester comme ça. Le 21 ans, les 22 ans d'occupation ne doivent pas seulement être gommés comme ça, parce qu'on a dit que d'ici là, Tokobana Okenabames de Rekiem, ce qui humiliation et occupation ici, Tokobana Batouba Kotina avec l'église, non, Tolbakanini. Les pasteurs, les religieux vont récupérer la résistance du peuple. Ils allaient grâce à la prière Nabiso, Ndebanguna Bakei. Ils allaient grâce à la prière Nabiso, Ndebangu Bango. Ils vont récupérer la victoire du peuple, la résistance du peuple. Et ils vont entrer dans des messes de Requiem pour remercier Dieu, qu'ils vont appeler Dieu le chef des armées, alors que le chef des armées était là pendant 22 ans, il n'a pas pu libérer le peuple. Et le peuple va oublier qui lui a fait du mal.